N'empêche qu'il a mal mis l'eau. Et n'empêche qu'il a mal mis la chèvre, on est dans l'autre sens. Oula. Comment vous faites? Je m'enfonce de ça. Ah, je suis plus léger, hein. 60, 65 kilos, c'est ça. C'est un avantage. Ouais. C'est par là ? Ça repose de marcher dans les pas du précédent. La neige est bien épaisse. Le con qui a dit qu'il fallait passer par là. Mais c'est ça. Bon, et souvent, le premier, on le remplace, c'est lui qui fait tout le boulot, le premier. Ouais, en général, on tourne et on le remplace. Ah, donc c'est peut-être une belette ou... Ouais. Oui, c'est une petite belette, je pense, ou une fouine. Oui. Oui, parce qu'on voit bien les griffes de dedans. Il y a des guidons. On voit bien sur celle-là, là, regardez là-bas. Là, par exemple, c'est là. Là. Ah ouais. Hop. Allez, les petites grippes dans le feu. On passe par-dessus le barbelé. Fais gaffe. Donc, ça pouvait pas être une balade de santé. Vous n'allez pas vous faire ça. Hein. Oui. Là, Pierre. Ça va. Donc on regarde si on voit l'entrée de la grotte qui doit être dans ces coins-là. Ah ouais. Tout ce qui va vous permettre de vous économiser en énergie, c'est autant de temps gagné. Vous allez repousser l'échéance, différentes échéances, c'est pas forcément la mort, mais c'est l'échéance, le moment auquel vous aurez beaucoup moins de force pour pouvoir continuer. Voilà. Donc l'idée, c'est de s'économiser en permanence. C'est pas de faire du commando, de courir, de sauter, de grimper aux arbres. C'est vraiment prendre compte de son environnement pour justement dépenser le moins d'énergie possible. Enfin, j'ai enlevé le t-shirt avec toi. Tu tends la main, tu fais un arc de cerf. Ça, c'est standing. Après, on fait les autres plus petits. Donc, première chose à faire, en fait, on trace le cercle de notre igloo. Bon, moi, c'est 1m20, donc je vais pas faire. Voilà. Ça, c'est mieux, ça, les gars. On va faire une petite étagère. Une fois qu'on a commencé à faire ça, après, à l'endroit où il a fait le trait, on marche comme ça. On fait une ronde. Allez. Chacun a un tour. Et on tasse à neige. On en fait d'autres ou pas? Non, on en fait déjà un. Ah, bon, chaque chose en son temps. Oui, c'est ça, un mouvement. Là, pas trop, pas trop. Bah, plus vous allez manquer, plus vous allez galérer. Hein. Ah ouais? Ah ouais, pour moi. Plus vous allez galérer parce qu'après, il faut les remplir. Hein. Ça me rappelle les syndicats là, c'est tous ensemble. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, on n'est pas très rouge. Donc maintenant le but. Maintenant le but c'est que on va remplir tout ce. Tout ça, allez, de neige, parce qu'après ça on va le creuser un peu. Ça y est, on s'y fait la tête. Tout de suite, tout de suite, et puis il faut l'incliner. Hein. Et puis là, regarde.
et donc il faut quelqu'un à l'intérieur. Il y en a 300 pour un igloo. C'est cool. Ouais. On ne peut pas arrêter. Des gros, des gros. Et des gros, celui-là c'est la moitié. Ça, c'est petit ça. Vous allez les mettre ici. C'est tout tour. Hein. Là vous n'avez même pas un igloo. C'est beau. Hein. Et on fait pas le tracé des autres. Ah, déjà on va commencer par le premier. D'accord. Ouais, ouais. On va voir. Hein. C'est comme tous les abris, hein. La construction est indispensable. Hein. Le temps que vous avez passé à bien affiner les choses, c'est important. Là, on tasse la neige parce que pour qu'elle soit assez compacte, il faut qu'on puisse faire vraiment des beaux carrés, des beaux blocs de neige. Et en plus, ça réchauffe. C'était les plombs. Bien n'importe. Mais et plus large, hein, encore plus large. Hein, parce que je rappelle qu'il y en a trois, les igloos. En fait, elle va nous éviter de prendre la couche de neige qui est à. C'est fatigant, on aurait creusé après. Et là on va creuser là. Tu fais un trou et après tu tu fais jusqu'au sol en dessous. Ici, là. Oui. Puis après tu faites en plein. Quelqu'un peut me la creuser là. Donc il en faut. Faites déjà des groupes. Hein. Il y a deux igloos, trois igloos à faire. Hein. Alors quand tu veux couper, tu mets ta pelle dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Sinon, en fait. Ouais, tu les poses à côté. On peut faire igloo par igloo ou les trois en même temps? Là, vous pouvez en faire, il y a deux. Hein. D'accord. Il faut être 4-5 par igloo. Hein. Doucement. Il vient là. Merci à toi. Et là, hop, une fois que c'est fait, on met la neige. Et il décolle. Ça, c'est bien. Ce qu'il y a là, en fait, tu laisses. Il est torse nu lui. Presque. Ah bien. Viens par là, après ça sera moins loin. Alors lui, il a la technique. Allez. Oh, pas de chance. Allez, plus vite que ça là. C'est nickel. Je sais pas quelle heure on a commencé, j'ai pas. Viens-moi si tu as l'outil, il est en maillot. Il est taré, et c'est mon neveu en plus, c'est ça qui est clair. Il y a une lumière. Ah celui-là il est moins beau. Incline. Il baisse en. Ah ouais, Pascal, incline déjà. Ah ouais. Ben regarde, je les incline, non? Encore plus. Mais là, eh oh, on perd en qualité là. T'as changé de fournisseur ou quoi? Oh non, eh. Qui nous fait pour la glace, je veux bien une tête. Pierre, si c'est bon ça. Pascal, il va être content. Ah oui, attends. C'est les grandes lames. Voilà. Ici. Pour couper. Tu l'as taillé? Ça va là? Attends, taille grand courant. La neige du milieu, en fait, on s'en sert pour colmater. On verra, après on enlevera. Fais gaffe, il est pas droit, un peu. Ouais, regarde, parce que je vais le faire. C'est une chance.
Oh. Oula, galipette, pirouette. Ah, tu n'aimes pas, faut que tu le découpes. Ah, si, c'est impossible à soulever. Ça marche un peu plus. Après, pour le découper, je me demande si ce serait pas mieux de prendre la scie. Ça, ça te le. On a un bicou dans le. Salut là, il est tout. C'est trop fort. C'est bon, je suis un peu épapier. Bien horizontal là. Parce que la neige elle est épaisse. Ouais, il faut de la neige à l'intérieur ou... Non, ils en ont encore un peu. Ça, c'est des beaux blocs. C'est le moment où on commence à avoir un peu marre. Ce que tu es en train de faire, en fait, c'est une tronçonneuse. Viens, chérie, viens. 1, 2, mais oui, oui. Didier, de toute façon, t'es dehors. Non, non, non. 7, 8. 5, 6. Non, 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 c'est bon. Non, regarde. Allez, 7. Il y en a un qui est février. On a 5 de l'argent. Regarde, regarde. 3, 4. 5, presque 6, 7, 7, et puis tu peux mettre en travers. 6, et puis l'oreiller en travers. 7, et on avait dit combien là-bas? 4. Ouais, là, voilà, là, c'est bon. Il est trop derrière. Faire des choses avec mes mains, être au grand air dans une bonne ambiance. Bon. Ça aurait été bien d'en trouver un peu plus rectangulaire là, pour le colmater complètement. Ouais. Non, non, on va voir du beau du soleil jusqu'à au moins 2 heures, 3 heures. Ok. Je vais aller comme ça. Ça rapporte. Là, c'est bien. Un droit là. Il n'y a pas ce qu'il y a. Ah bah tiens, prends celui-là, ouais, nickel. Dans le zoo, c'est nickel. Oh la vache! Elle coupe en deux, celui-là! Ouais, elle coupe en deux, là! Parce que là, elle fait 40 tours! Voilà, nickel! Vas-y, je le tiens. Attends, je te fais d'aller un peu plus vers moi. Vers toi? Ouais. Voilà, parfait. Il va tenir. Je sais pas. Ah. Essaye. David, à ton avis, là, on monte encore un et on... Ouais, ouais. On va travailler dans les bonnes conditions. On va rester à l'intérieur pour l'instant.
Mais qui c'est qui fait ça? Merde. Bah attends, bouge pas, regarde. Tu as du coup. On va très bien dedans. On va même un peu de leur. Regarde. On va très bien. On va nous ramper. Et après, c'est dans le. Donc, on va faire avec. Pour l'instant, l'esthétique laisse à désirer. Allez, vas-y, c'est bon, on a fini, Dormir combien dans température? Ah, tu peux dormir un ou deux degrés, hein. Et un degré dedans, tu le sens. Hein. Ah, hein. Ah ouais. D'accord. Ils ont peur de terminer, ils remontent là. Regarde, ils font une hernie là. Ouais, faut toucher, hein. Vous avez peur de terminer les gars. Vous remontez là, vous faites une mezzanine là. C'est pour se tenir debout dedans. C'est grand, tu vois, ou quoi? Maintenant, non. Non. Allez, bah, il y a de la bouffe, là. Ah oui. Je lui rends sa liberté. Il y a un truc à bouffer. Allez, tu crois sec. Il est un peu gros. Non. Il est un peu gros. Non, non, c'est bon. Trop gros. Après, il faut le couper sur les côtés, regarde. Il rentre pas. Il tourne. Arrête de te plaindre. Là, faut mettre de la neige ici, là, dans le petit. Sans moi. Moi. Ça tombe, hein. Ouais, c'est que ça rigole. David, tu peux me passer la pelle à ta droite, s'il te plaît? Merci. Je te fais ta capelle, dans l'autre sens. C'est quelle heure quand on a commencé? 10h? 10h30? 10h30, 10h30 je crois, non? 3h, c'est pas mal, hein? Je lui ai dit 3h. Ouais. Ah, je me dégoûte, ça me fait chier, je me dégoûte. C'est moins précis. Premier igloo, terminé. Peut-être les couper en deux.
pense qu'il en faut encore une cinquantaine. Vu. Deux. Deux blocs. 50 Non, non, c'est vrai. Attention. Il y aura encore le piège à proie à mettre devant l'igloo. Très bien. Mais ça avance bien. Après, ça va être compliqué de l'extérieur. Hein. Je la découpe, les derniers, ils sont un peu plus... Ah bien, voilà. Et je ferme comme ça. Comme ça, toute cette partie-là, c'est plus important. On retrouvera par celui-là. C'est pourquoi on a fait un piège à froid. Parce qu'en fait, le froid, l'air froid est plus lourd que l'air chaud. D'accord ? Donc il va se coller au feu. Surtout que tu vois, c'est du courant d'air. Au lieu de faire ça, de rentrer directement dans les loups, ouais. On va se poser. Il stagnera là. Bah oui. On va pas la faute de verre. Non, il ne faut pas confirmer celui-là. C'est pour le mettre ici juste devant. C'est bien. Il faut bien trouver. Il y a une année, j'avais pas fait des pièges à froid aussi profonds. J'avais fait juste ça. Tu les sens dans les pieds. Donc maintenant, j'ai plus. Il y en a même qui descendent carrément très profond pour remonter. Tu sais que ça va prendre un peu de neige. À mille zones. Là, il y a un gros coup de bois. Il y a une neige. Non, mais. On voit le jour. On va terminer. Voilà. Je suis au fond du milieu. On voit bien le piège à poids. Je suis assis au fond du milieu. Le plafond. On peut se mettre à peu près à 4 personnes. Ils vont se mettre à 4 personnes là-dedans. Oui, on tient largement à l'intérieur. On est bien, hein? 4 personnes, c'est bien. Ouais, 4 nombreux. 1, 2, 3, 4. On pourrait même aller jusqu'au maximum 5. Ouais. Vraiment maximum, quoi. Là, ils ont déjà bien. On voit, ça passe à travers, c'est un peu translucide. Ouais, un petit peu. Mais normalement, il ne faudrait pas trop. Hein. Il faut qu'on mette un petit peu, toi, là où c'est un peu blanc, là. Ouais. On met un peu de neige. Mais ils ont bien travaillé parce qu'ils ont bien lissé. C'est important. Maintenant, je vais faire le reste. Chargé par l'extérieur, quoi. Ouais, bah, puis là, je vais m'occuper du reste, tu vois, je vais faire tout plat. Et après, je vais faire une rigole tout autour. Mm-hmm. Vraiment une rigole parce que. Pour que le plafond tombe à l'intérieur. Non, et puis au pire. Ça y va dedans. Et puis après, on mettra. Un peu de branchage. Voilà, bah, et puis après, ça sent bon là-dedans. Mm-hmm. Ah, ça va être sympa. Ça va faire un très beau CA sur le sol. Une petite rigole tout autour, de manière à ce que l'eau qui s'écoule du plafond tombe dans la rigole. Droite.
Attends, je le prends. Ouais, c'est ça. On part un peu plus à gauche. Faut le poser sur la scie là que t'as laissé. Tu vois, et après comme ça. C'est un banc hein. Ah moi j'ai cramé. Allez, où est-ce qu'on va s'asseoir? 1, 2, 3. Allez. Bon, en fait j'ai l'impression de rien porter là. Mais bah, moi aussi j'ai l'impression de rien porter. J'ai l'impression de tout porter. Mais en fait c'est Sylvie qui porte tout, après il faut manger de barrage. Bah, ouais. Sur la tête. À gauche. Là. Une idée. Bien mon petit. Il est à peu près là. Oh, ça va. Passer aux choses. Oui. C'est parti. Alors, nous avons un bois tendre, du pin ou du lierre, ça marche avec le lierre. Un bois dur, notamment celui-là du noisetier. On a un archer et on a pris une pommelle. Alors là, on vous a amené des pommelles en verre. Et vraiment vous amener à la réussite. Après, si on a la pommelle, c'est ce qui va permettre de tenir. Ah oui, pour ne pas faire une ampoule dans le creux de la main. Un bâton qui s'appelle la drille. Voilà, pour ne pas faire une ampoule. On n'a pas ça, on peut prendre n'importe quoi. On peut prendre un autre bâton creusé, par exemple. Mmh. On peut prendre un coquillage, un caillou creux, un tesson de bouteille, un gobelet en métal, on peut avoir dans son sac, tout ce qui peut servir. La position que vous allez devoir avoir. En premier temps, on mettrait donc, la drille dans l'archer. Voilà. Donc, une fois que c'est, on est comme ça, vous aurez fait un avant-trou, je vous montrerai après, et puis la petite fente. Ce qui est important, c'est cette position-là qu'il faut avoir. Beaucoup de gens se mettent comme ça. Ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, je bouge tout le temps. Donc ma drille ne marche pas. Il faut passer derrière. Et en fait, le creux du poignet se trouve sur le tibia. Légèrement en avant, pour que manière en fait je puisse jouer du violon tranquillement. Donc ça, c'est plus simple. Donc on commence. Sinon, il ne faut pas que votre main fasse ça. Parce que si c'est ça, alors, ça ne tient pas. Elle peut allumer le feu en moins d'une minute, comme on peut l'allumer en 6 heures, 5 heures, où on n'y arrivera jamais. Tu gâches le métier. Hein. Ah, c'est bien, ouais. Allez, là c'est nickel. En fait, nous on commence à le savoir. Oui, bon, ça fume. Et à partir du moment où la fumée s'épaissit et qu'on voit que la fumée sort par en dessous, ouais. C'est là qu'on sait que c'est la vraie. Oui, on voit les petites flammes rouges en bas. Voilà. Là on est bien. Quand tu vois que sa godasse devient rouge, c'est normal. Magnifique, mon David. Très beau. Elle fume bien, hein. C'est bien. Le truc, elle fume même mieux que l'autre. C'est de la vraie émotion. Ah ben, le temps que ça a pris. On s'en fout. Un tout petit filet d'air. Si vous soufflez trop fort, eh ben c'est parti, c'est fini. Je peux faire moins de bruit, mais... Tranquille, hein. La force tranquille. Il souffle ou tu aspires là, hein? Il fume. Il fume. Ouais, c'est bien. Mais c'est ici, on est pas mal. Non, mais comme il a picolé pas mal, ça aide. Mieux souffler. Plus t'as la laine chargée, mieux c'est. Et dès que vous entendez le petit crépitement, alors là, c'est bonheur. C'est vraiment la couleur de la fumée qui change d'un coup. On sent la bonne odeur de paille. Ça y est, c'est parti. On entend ça crépite. Et jamais tu te brûles.
Si, c'est du feu. Tu pourrais faire ça dur. De toute façon, c'est un bonnet par stage. Hein. Ça va, partir en panne. En tout, tes vêtements sont plus lavés quand on arrive à la maison. Ça pue, c'est pas gagné. Ah, faut pas tu vois, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. Magnifique. C'est la règle. Ils sont plus rien. Ouais, joli. Je crois qu'on a le feu. Allez, table. Il y a le feu ou pas? Il garde ou pas? Bravo. Oui, oui, j'ai froid au pied. Quoi? La sentence est irrévocable. C'est bon. Mais le feu! Allume-le, hein! Allume-le! Ouais, elle est belle, accélère, accélère maintenant. Allez, accélère. Putain, on voit que tu auras pris en boulogne, c'est de la ronde. Allez, bidou, attends, qu'ils sont bons. Allez, c'est bon! Vas-y! Là, c'est bon, tu lâches pas. Hop, tu lâches. Laisse-la vivre un peu. Tu vas faire un truc. Ça me va bien. Bravo. Un masque oxygène s'il vous plaît. Allez gamin, tu veux être un homme? C'est maintenant gamin, c'est maintenant que tu donnes tout, allez. Tu n'as plus de main, vas-y. Oui, oui. Tu vas l'avoir. Dans Oui, ça brûle. Ouais. Encore. Eh, hey, viens là, si ça vient là, par contre, tu viens. Allez, souffle. Eh, tu lâches pas, hein. Tombe pas dans la neige. Mais ici là, regarde, ici là. Voilà. Moi ça y est, ici là. Je mets le pose-jeu dedans. Pose-jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu craches? Gamin, allez, t'as la main maintenant. Allez, Quentin, on fait la bougie. Ah putain, Léon, tu deviens un homme aujourd'hui, ça y est. Tu devrais la voir, maintenant tu devrais voir un point rouge. Tu le vois? Voilà. N'aie pas peur de fermer, hein. Tu le perds pas, le point rouge. T'es en train de la perdre. Ouais. Fais gaffe, tu la perds. Enlève tes mains derrière. Tu souffles de trop. T'es en train de la perdre. Trop fort. Tu peux la récupérer. Tu la vois toujours? Tu vois toujours le point rouge? Bon, vas-y. Tu souffles moins un petit peu. Bon, t'as pas ici? Ferme ton frigo, faut que je sois fermé. T'es sûr? Non, c'est bon, faut pas l'ouvrir, en fait, si tu l'ouvres, c'est mort. Tu veux voir? Tu veux plus la braise, tu veux voir? Oh, c'est mort, c'est... Ouais. Tu l'as perdu. Mais comme ça, comme ça on a un maximum d'air. Voilà, parce que l'herbe n'est pas super sèche. Merci. Tu refermes et tu restes fermé. Essaye pas de l'avoir. Qu'il a réussi là. D'ailleurs, je vais prendre une photo parce que je sais qu'il va réussir. Il n'y a pas de chaud. C'est sûr qu'il ne retrouve pas le gars.
Ah non. Continue. On dit qu'on toussait pas. Ouais, c'est bien ça, Christian. C'est bien. Christian, tu vas devenir un homme. C'est ça. Ça y est. Souffle, souffle. N'arrête pas. Allez. C'est bien, ça, ça crépite, c'est bon. Souffle. 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 Encore un bon coup, là. Encore, tu vas y aller. Ouais. Encore, encore, encore. Encore. Tu l'as, vas-y. C'est dans la encore, peau, encore, tu vois. C'est dans la peau, vas-y. Ouais, ouais. Et encore, bon, dernière fois. Dernière fois. Souffle, pète, ouais. Yes. Non, maintenant, tu peux le poser, tu vas te brûler, là. Attends, faut que je prenne la photo. Deux secondes. Tout. Attends, deux secondes. J'en ai au moins pris 15 000. Tout le temps, un petit peu sur la gauche. Allez, vas-y, ressouffle encore, fais la flamme. Oui. Ouais. Voilà. Ah, voilà. Hey, hey. Merci. Après, je vais te voir. Parce que même quand c'est l'été en plein soleil, c'est pas évident. Et ben, à la limite, ce qu'il faut faire, c'est que tout est préparatif. Tu vois, ton petit nid d'amour, tes planchettes et tout ça, pendant que tu es en train de le préparer, tu le poses en plein au soleil. Plus c'est chaud, plus c'est sec, mieux c'est. J'ai essayé tout à l'heure. Avec la grande, je suis un peu grande. Le grand archer. Oui, par contre, t'as vu à deux, c'est pratique parce que t'as bien. Tu vois, regarde, quand t'es tout seul, tu galères, parce que regarde, t'imagines l'énergie qu'il faut, tu fais ça, ah le corps. Mais c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai toujours réussi à le faire à deux, en fait, j'ai jamais réussi. Tout seul ouais. Bah, c'est du... C'est tout même, Mais on passe, on... là-bas. Mais t'aurais pu le mettre pendant les... C'est pas au montage. Hein. C'est vrai qu'ils parlent, on les entend pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est cool, hein. C'est hyper... Il faut en mettre 6 là-dedans. Hein. Je les compte. Hein. Là, j'en ai bien. On voit ça passe à travers, c'est un peu translucide. Ouais, un petit peu. Mais normalement, il ne faudrait pas trop. Hein. Il faut qu'on mette un petit peu, toi là où c'est un peu blanc. Là. Ouais. On met un peu de neige. Mais ils ont bien travaillé parce qu'ils ont bien lissé. C'est important. Maintenant, je vais faire le reste. Par chargé par l'extérieur, quoi. Ouais. Bah puis là, je vais maintenant. Je m'occupe du reste. Tu vois, je vais faire tout plat. Et après.